nous avons créé le prix du second roman du comité central du groupe public ferroviaire, c'était le CCE SNCF auparavant. Nous avons poursuivi le travail engagé depuis maintenant 30 ans par le comité central, par les CE et leur bibliothèque au sein de l'entreprise. C'est un moment essentiel de réfléchir à ces questions-là. Depuis longtemps, la direction nous conteste le fait de pouvoir lire en entreprise. L'entreprise ne serait qu'un lieu de travail où on ne ferait rien d'autre que de produire, produire, produire. Nous disons, nous, que dans l'entreprise, on peut faire autre chose. Et l'essentiel du travail de nos CE, c'est effectivement de promouvoir d'autres activités, de réunir la famille cheminote sur des valeurs qui nous sont communes. À partir de là, le livre tient toute sa place et c'est pour ça que nous sommes parmi les entreprises à avoir encore un réseau de bibliothèques d'entreprises. C'est essentiel en proximité de pouvoir trouver des alternatives, d'autres livres, d'écouter des bibliothécaires, des professionnels qui connaissent leur métier et qui vont vous aiguiller vers des ouvrages que par hasard vous n'auriez pas forcément lu ou eu la curiosité de lire. Donc, prix du second roman, c'est pas banal, c'est aider. Le premier roman, ça peut être parfois douloureux, mais il faut passer le cap du deuxième. Et l'idée de nos prédécesseurs était de se dire, ben voilà, on passe le cap du second roman et on aide un jeune auteur à pouvoir, là aussi, être promu, être connu du monde salariat. Deuxième roman, élu par des représentants, par vos représentants dans les CE, ce sont des cheminots qui sont venus lire, qui se sont réunis à Paris, sous la responsabilité de Blandine, du service libre de bibliothèque, et de Solène, qui la remplace pendant un an durant son congé formation, et sous la présidence de Denis Falvisaner, président de la commission lecture. Voilà, tous les enjeux sont là. Et donc, nous avons effectivement réuni ces cheminots venus de partout en France pour qu'ils lisent à peu près une vingtaine de livres. Hein, et ils ont fait une première sélection, on a réduit à 5, et ils ont effectivement désigné le lauréat Fabrice Loy, qui est à mes côtés. Thank you.